Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Pierre Bénichoux. Bonjour. Stevie Boulet. Ouais. Elsa Fayet. Ouais. Jean-Luc Lemoyne. Ouais. Isabelle Alonso. Ouais. Et Christine Bravo. Ouais. Ça va, Jean-Luc? Oui, remarquablement. C'est pas vous le corbeau, parce que vous êtes habillé comme un arbitre, là. J'ai des dossiers sur tout le monde, faites attention. Avec le président Chirac a parlé, hein, ce oui. midi. Hein. Ah vous avez bon entendu ce qu'il a dit? Non. Rien, il a rien dit. Non, mais il a parlé, mais il a dit qu'il faisait confiance au gouvernement. À la justice. Voilà, à la justice. Laissons la justice faire son travail. Ah, c'est bien. C'est super, on n'attendait pas moins. Moi aussi, je vous fais confiance. Et vous avez bien tort. Oh là, la prudent, la prudent. Bonjour Christine. Bonjour. Tout va bien? Oui, la vie est belle, j'ai encore 49 ans. Ah, yes. Ça va pas durer, t'en fais pas. Ah oui, attends. Oui, il y a un corbeau qui m'a dit que vos 50 ans, c'était pour samedi prochain. Jusque-là, vous étiez en quarantaine. Ils vont être obligés de vous réengager dans les chaînes. Parce que tu sors non, de la cible, tu ne seras plus dans la ménagère de moins de 50 ans, c'est fini. Ah merde, oui, c'est vrai. Elle n'a jamais été ménagère non plus, en même temps. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de celui qu'on suspecte justement d'être le corbeau de l'affaire Clearstream. Jean-Louis Gergorin, c'est son nom. En même temps, il dément et personne n'en est sûr. On sait juste, d'après le portrait du corbeau qu'on nous a donné, qu'il portait des lunettes bleues, comme lui. Mais maintenant, on comprend mieux pourquoi Raffarin se planque depuis plusieurs mois. Oui, lui aussi, il avait des lunettes bleues. Je me demande même si Jospin n'a pas eu des lunettes bleues aussi. Hein. Ils sont certains à avoir si porté... Si ça se trouve, le corbeau, c'est Michou. ça fait peur, hein. J'y pense maintenant. Encore belle, vous voulez dire. Ça. Il paraît qu'il était sur écoute, ce monsieur. Oui, exactement. Alors justement, le Parisien nous révèle ce matin que d'après les écoutes effectuées sur son portable, ce monsieur, Gergorin, parlait des hommes politiques uniquement en utilisant des noms de code. Alors on nous dit qu'il y avait Père Noël, Caligula, Célestin. Reste à savoir évidemment qui se cache derrière Père Noël, Caligula ou Célestin. Et surtout, que faisait le colonel Moutarde avec un chandelier dans la bibliothèque? Finalement, cette affaire Clearstream, c'est un sale coup pour le sudoku. Ça occupe tout le monde et ça va relancer le Cluedo, dites donc. Non mais c'est incroyable. Hein. Si ça se trouve, c'est, vous rigolez, mais si ça se trouve, c'est le vrai Père Noël qui est sur la liste Clearstream. Si ça se trouve, lui aussi, il a mangé l'ami des enfants, bah, tu parles. C'est quand même suspect d'utiliser ce genre de nom pour parler des hommes politiques oui, sur son téléphone. Parce que qu'il soit le corbeau ou non, Monsieur Gergorin est un homme qui est vice-président d'une société d'aviation, d'armes, de choses tout à fait qui sont pratiquement secret défense. C'est un homme qui doit être écouté toute sa vie. Donc, dès qu'il prend un téléphone, pour te dire « rapporte le pain, maman, on n'a pas acheté », il dit « tu devrais apporter une Simca 8 parce que papy... » Tu vas continuer longtemps, oui, mais... Vous, il n'y a pas besoin de nom de code, c'est brouillé, hein. Je ne sais pas si vous étiez sur écoute, mais à mon avis, les RG ont décroché depuis un moment. Hein. Ça prouve à quel point c'est dur. Ben nous, par exemple, parce qu'on est écouté par TF1, ils veulent savoir quel est notre secret. Parce que depuis quelques semaines, là, on les rattrape, on est quasi à égalité avec la première chaîne, notre émission. Alors, pareil, quand on s'appelle, moi je dis attention, attention, demain, Bourriquet présent dans l'émission. Attention, attention, chienne de garde appelle Bourriquet. Vous savez comment ils vont surnommer à TF1 ? Non. Terminator. Autre photo, celle du président Chirac, qui a parlé donc aujourd'hui et qu'on voit en photo dans Libération ce matin, lors d'un de ses voyages, nombreux voyages au Japon en 2005. Pourquoi Libé a choisi cette photo? Parce que, on le sait, cette semaine, le canard enchaîné, tous les journaux reprennent cette info, révèle que le général Rondeau aurait parlé au juge de 300 millions de francs que le président Chirac aurait sur un compte en banque au Japon. Le président, évidemment, a démenti en déclarant « Mais pourquoi tant de hyènes ?» Quand on pense qu'on croyait que le président de la République s'intéressait au sumo, mais pas du tout, en fait, il voulait savoir à quoi ça servait de s'engraisser au Japon, c'était pour se retrouver en slip, franchement. Autre
4 photos, celle de Ségolène Royal, qui pendant tout ce temps, elle continue tranquillement sa campagne de séduction à travers la France. Elle était à Lyon hier, tous les journaux en parlent. Libé nous la montre en photo en train d'embrasser une fan lyonnaise. Et dans Le Parisien, regardez cette autre photo de son voyage à Lyon, on aperçoit Lionel Jospin qui tente de l'approcher, vous voyez. Mais c'est déjà trop tard, voilà. Elle dribble tellement bien entre les autres candidats socialistes, Ségolène, qu'on l'appelle déjà Zinedine Royal ou Ségolène Zidane. Qu'est-ce que ça va être quand elle va renoncer à la compétition? Isabelle? Je trouve qu'elle est très forte en préliminaire. Elle est en train de bien exciter tout le monde et il faut qu'elle tienne la distance, quoi. Faut que l'orgasme, c'est en mai prochain, faut tenir, quoi. Mais elle doit faire ça toute seule parce que son mari, il a trois dans les... Oh, non, elle peut pas faire ça toute seule parce que là, quand même, elle s'est montrée très à l'aise dans le 69. Moi, je ne le trouve pas très prudent. C'est-à-dire? Ben, si jamais elle est présidente de la République... Donc, on peut pas dire que je sois anti-Ségolène. On me reproche ouais, même... Mais... On me reproche même d'être trop pro-Ségolène. Oui, mais alors... vous n'allez pas gâcher des mois de servilité pour un bon mot. Oh, pour un bon mot, je suis prêt à jouer dans le 69, moi aussi, hein, franchement. Une autre photo, celle de l'ours Franska qui, avec sa camarade Paloma, ont obtenu hier du Conseil d'État le droit d'être rejointe prochainement par trois autres ours slovènes, à la grande joie de Madame Nelly Olin, la ministre de l'Environnement. Alors là, j'ai remarqué quelque chose qui m'a vraiment surpris hier quand je l'ai vu réagir à la décision qui lui est plutôt favorable du Conseil d'État, c'est que Madame Nelly Olin, souvenez-vous, il y a quelques mois, on la voyait dans tous les journaux ou à la télévision, elle était comme ça, elle était blonde, Madame Nelly Olin. Et hier, je l'ai vue à la télévision, regardez, elle est comme ça maintenant. Alors ça, c'est assez curieux, les ours, ça donne des cheveux blancs. D'ailleurs, le Conseil d'État lui a dit les ours, d'accord, mais seulement une fois. Mais non, mais c'est l'un ou l'autre, pas les deux. Hein, c'est son régé qui est parti, regarde. On voit les mèches. Pourquoi? Oui, son régé, sa couleur. Un spécialiste vous parle. Stevie, vous vouliez dire à propos des ours? Mais j'espère que ça sera des mâles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des femelles. Ils ont parlé de France. Il y a des bergers, quand même. Il y a une question aussi qu'on peut se poser, c'est pourquoi le gouvernement veut absolument lâcher des ours dans les Pyrénées? Après tout, puisqu'on nous dit qu'ils sont pas si dangereux, les ours, puisqu'ils n'en veulent pas dans les Pyrénées, on n'a qu'à les réintroduire, je sais pas moi, dans le Massif central, dans les Vosges, ou même en Corse, tiens. Ou à Paris. Ou à Paris. Voilà. Au bois de Boulogne, tiens, pourquoi pas. Les ours slovènes, ils s'en fichent, eux, ils étaient en Slovénie. Alors, qu'ils soient dans la forêt de Fontainebleau ou dans les Pyrénées, ils s'en foutent. Réintroduisons les ours dans la forêt de Fontainebleau. Voilà. Vous racontez pas grand chose à les trahir depuis tout à l'heure. Si, je rigole et tout, je me marre. Qu'est-ce qu'on s'amuse. On sait même pas si vous êtes pour ou contre les ours, vous. Ah non, moi je suis totalement contre les ours. Ah, parce oui que les ours, c'est très méchant. Voilà. On peut passer à la suite. En tout cas, voilà, pour une fois, le gouvernement a le soutien sur cette affaire d'ours, il faut le dire, du président de l'UDF, qu'on voit là, François Balou. Allez, on termine par Mélissa Thoriot, la jeune journaliste de LCI qui a refusé ce week-end le poste de présentatrice du 20h de TF1 qu'on lui avait proposé pour l'été prochain, les week-ends. C'était quand même courageux de sa part et on se demandait pourquoi elle avait refusé. Alors peut-être que la réponse est dans Gala cette semaine. Regardez cette pleine page du journal Gala. En fait, elle fait actuellement de la publicité pour une marque de lunettes, Mélissa Thoriot. D'ailleurs, pour les mêmes raisons que Johnny Hallyday avait refusé de présenter le 20h en semaine, lui, sur TF1. En attendant, TF1 cherche toujours le joker de Claire Chazal. On ne sait pas qui remplacera Claire Chazal l'été prochain. La dernière rumeur parlerait de Magali, la gagnante de la dernière Starac. Eh oui, elle ne vend pas assez de disques. Alors elle présentera le 20h en chantant. Faut bien rentabiliser. Ça vous intéresse? Il paraît qu'elle a vendu seulement 15 000 albums. Ah oui, c'est une catastrophe. Ils ne rentreront jamais dans les 1 million qu'ils lui avaient filé d'avance. C'est une catastrophe nationale. On s'en fout. TF1 a perdu 1 million, c'est une catastrophe nationale. Non, mais c'est pas TF1. Je comprends pas parce qu'elle chante très bien, cette jeune fille. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Bah, comme d'habitude, quand quelqu'un la ramasse, tu vas la prendre comme chroniqueuse. Ah, sujet!
un sujet qui va intéresser au moins Jean-Luc Lemoyne et beaucoup de téléspectateurs. On est quand même à un mois de la Coupe du Monde de football. Les Bleus peuvent-ils gagner la Coupe du Monde? C'est le titre de cet ouvrage à quelques semaines du Mondial. C'est la grande question que se posent tous les Français et à laquelle tente de répondre le journaliste Bruno Godard. Dans cet ouvrage, paru fin avril chez Hugo Doc, après avoir mené une enquête au sein de l'équipe tricolore et recueilli les témoignages des joueurs et des entourages des joueurs, Bruno Godard révèle tout ce que l'on n'a jamais dit sur les Bleus. Les trahisons, les égos, l'argent, les médias, les jolies filles, les coachs, parfois maladroits, Raymond Domenech évidemment, dont on ne prononce même pas le nom, paraît-il, au sein des joueurs de l'équipe de France de foot. Bref, les Bleus peuvent-ils gagner la Coupe du Monde? On l'espère, on va en savoir peut-être plus grâce à Bruno Godard. La première question en couverture du livre, on est tous d'accord, on s'intéresse au foot. Les Bleus peuvent-ils vraiment gagner la Coupe du Monde? Ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Après, c'est un peu plus racoleur, hein, le bandeau là. Argent, sexe, oui, bien sûr. Argent, ça, ça sexe aussi les gens. Et trahison, les secrets de l'équipe de France. J'ai l'impression vraiment là, que bon, il y a de l'argent, du sexe et de la trahison comme partout. Comme dans la vie, ouais, comme voilà. Dans la vie. Mais vous trouvez qu'on n'en parle pas assez? On n'en parle pas, justement. On a l'impression que les joueurs sont parfaits, qu'ils sont riches, beaux, jeunes, généreux. En fait, ce sont juste des hommes comme les autres, avec leur grandeur, leur faiblesse et leur petite mesquinerie. Trompent aussi leur femme, oui, comme dans la vraie vie. Mais même vous dites qu'ils sont très rares ceux qui ne trompent pas leur femme. Plutôt, oui. C'est vraiment... Et alors Zidane? Zidane, non. Voilà, Zidane, il ne trompe pas sa femme. Zidane, c'est un... Comme l'abbé Pierre, pareil. Zidane, c'est un très très grand joueur de football, c'est tout, voilà. Dugarry? Je vais pas, on va pas faire toute la liste. Hein, Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent vraiment que dans un milieu où il y a énormément de pouvoir et énormément d'argent, les gens sont des petits saints? Vous espérez surprendre quelqu'un avec ce livre? Oui, parce que ça, toutes ces histoires, on les a lues nulle part dans les médias, les Bleus. Est-ce qu'on a envie de le savoir? Moi, c'est comme les magiciens. J'ai pas envie de connaître les trucs, j'ai pas envie de connaître les coulisses ou les bruitiotes. Moi, j'ai envie quand un Bleu signe un contrat qui est un contrat publicitaire qui est basé sur une image parfaite, sur une image de bon père de famille. J'ai envie que les gens parviennent à savoir que cet homme-là n'est pas forcément parfait, parce qu'il fait de l'argent sur cette image. Monsieur le justicier, je voudrais vous demander une chose. Pourquoi il n'y en a pas un seul qui est grâce à vos yeux? Si, Zidane. C'est le seul, c'est Anelka, vous dites le pauvre. Enfin, Anelka, oui, je le plains. Mais qu'est-ce que vous balancez sur les autres? Mais tous. Mais Anelka, moi je le plains parce que tout le monde lui tombe dessus depuis des années, alors que c'est un enfant, il est libre, il a un franc-parler qui dénote dans ce milieu-là. Et tout le monde lui met tout sur le dos, alors que c'est pas le symbole du foot business, Anelka. C'est juste un jeune joueur qui pense qu'à jouer au football, c'est tout. Non, mais je suis d'accord avec vous, je veux bien que j'ai... Il pense à jouer au football, mais il joue pas toujours. Il joue pas toujours, mais il y pense tous les jours. Non, mais quand on l'accuse comme ça, il faut des preuves. Il l'a peut-être entendu, ces journalistes sportifs, ils côtoient vraiment les sportifs. Ils trompent leurs femmes aussi, ils sont dans les mêmes boîtes, pendant les matchs, dans les... Non mais je veux dire, c'est pas que ça. Ça veut dire les journalistes sportifs trompent leurs femmes comme les joueurs? Ça arrive, ça arrive. Il y a des journalistes sportifs. J'ai été mariée avec un journaliste sportif. Ah bah oui, mais c'est pas chaque fois qu'il y a des cordes. Hein. Ils se tapent les moches qui n'ont pas réussi à se taper un joueur. C'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent comme ça. Oui, c'est vrai. Il me l'avait dit. Ils sont un petit peu énervés, ils sont un peu aigris parce que les joueurs ont la jolie fille et puis eux, ils ont un peu la copine avec le sac. C'est-à-dire que vous, par exemple, Fignon n'avait pas voulu? Si. Pour quelqu'un qui ne connaît pas un petit peu le milieu du foot ou qui ne connaît pas des footballeurs, on apprend des choses. Le seul problème, comme le dit Pierre, c'est que ce n'est pas tellement étayé. Vous parlez d'un monsieur X, qui est proche de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur X, faut dire en téléspectateur? Monsieur X, visiblement, c'est quelqu'un qui était dans le cercle, le premier cercle de l'équipe de France, qui a vu des joueurs grandir et tout ça, et qui donc a eu plein d'anecdotes à raconter à Bruno Godard pour écrire ce livre. Simplement, il n'est jamais cité. Non, parce que moi, je me suis engagé à ne pas le citer. Si, j'ai fait une enquête. On peut imaginer. Il y a plusieurs noms qui circulent dans il y a des scoops quand même, notamment l'affaire Pires-Domenech. Alors, c'est quoi? Vous savez que Pires a été écarté de l'équipe de France et. Et on se demande pourquoi il n'est pas rappelé, parce qu'il joue pas trop mal avec Arsenal, il y en a qui jouent plus mal et qui sont sélectionnés à l'équipe de France. Et d'après le livre, Robert Pires aurait eu une aventure avec une jeune femme qui était libre, en tout cas à l'époque, était libre. Et depuis, Raymond Domenech l'aurait appris, donc visiblement, ça lui a fait de la peine. On peut imaginer aussi que c'est quelqu'un qui est proche de Raymond Domenech maintenant, et que c'est pour ça, c'est juste une vengeance liée à une affaire de sexe. Mais ça se peut, hein? Oui, peut-être, mais il faudrait le prouver. Il y a une règle dans le football, quand on ne comprend pas quelque chose, c'est que généralement, il y a une histoire de sexe derrière.
Quand vous avez un joueur qui est transféré alors qu'il fait une très très belle saison dans un club et que d'un seul coup il part, on ne sait pas pourquoi, c'est qu'il a eu une relation avec la fille du président, avec la femme du président, avec la fille de l'entraîneur, avec la femme de l'entraîneur. C'est tout le temps comme ça. Jamais avec le fils de l'entraîneur. Pour l'instant, j'ai pas entendu ce genre d'histoire, mais ça a certainement dû arriver. Vous avez dit dans une interview que vous aviez été menacé, on vous avait dit qu'on allait vous casser les mains. Vous... Ah oui. Jamais je dis ça à quelqu'un qui veut garder ses appels anonymes. Non, il y a deux types qui étaient devant chez moi, qui sont sortis d'une voiture. Moi, je rentrais et ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux garder tes mains? Voilà, je leur ai dit, si on vient menacer de casser les mains, on les casse pas généralement, parce que quand on veut les casser, on vient, on les casse. Ils sont remontés dans leur voiture, ils n'étaient pas super impressionnants. Ça ressemblait plus à un chef de produit d'une chaîne de télé qu'à un homme de main, un Moldave. Hein. C'était pas très inquiétant. Mec. Lors de l'Euro 2004, Zidane après a arrêté, a pris sa retraite internationale. À ce moment-là, on a laissé un petit peu les clés de la Maison France à Thierry Henry. Pendant ce temps-là, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Zidane est arrivé en sauveur. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a le pouvoir d'imposer Barthez? Bien sûr, parce qu'en fait, quand il a décidé de revenir, il a dit, moi, je reviens, mais j'ai mes conditions. Je reviens avec Thuram, je reviens avec Makelele, et puis voilà, quand je reviens, c'est Fabien qui prend. Est-ce que vous serez en Allemagne en juin prochain? Si j'ai encore mes mains, oui. Voilà. Mais tu vas dire que là, sur si les vous êtes en Allemagne lors de la prochaine Coupe du Monde, il n'y a plus un joueur qui va moufter devant vous. Non, mais de toute façon, vous savez, pour entendre les conversations des joueurs de football après les matchs qui disent, vous savez, il faut prendre les matchs les uns après les autres, je crois qu'on a eu les trois points. On a bien joué, mais ce qui est important, c'est le collectif. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire des interviews comme c'est ça. Vrai que en fait, carrière... vous êtes comme Gisbert en politique, quoi, exactement. Voilà, ouais. Ils ont parlé devant vous. Mais ma carrière dans le journaliste sportif est effectivement terminée, je suis grillé. Oui. Et je suis blacklisté chez TF1, par exemple, parce que je raconte une histoire entre TF1 et l'équipe qui, à un moment donné, a décidé de. Ils ont tenté de faire partir Domenech. Et ça, TF1 l'a très très mal pris parce qu'ils ne comprennent pas qui a pu me parler au sein du groupe TF1 parce que ces réunions étaient vraiment secrètes. Mais quand vous dites que vous voudriez que votre fils regarde les footballeurs comme des gens, comme tout le monde, des êtres humains comme tout le monde, mais fait pas des êtres humains comme tout le monde, c'est des grands champions, c'est des génies du foot, c'est des artistes, c'est pour ça qu'on les admire, c'est parce qu'ils font sur le terrain. Ce qu'ils font en dehors du terrain quelque part, personnellement, je m'en fous un peu, je m'en doute. Non, quoi, le problème, c'est que moi, les gens de ma génération comme Jean-Luc, si on voulait faire... footballeur professionnel, c'était pour marquer un but en finale de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, quand vous interrogez un gamin de 14 ans, vous lui dites pourquoi tu veux devenir footballeur professionnel, c'est pour avoir une Ferrari et sortir avec un mannequin à la mode. Donc c'est tout le système que ça a changé. Bien sûr, alors, c'est le système que je conteste. Moi, c'est pas ces hommes-là. C'est le symbole. La Starlette qui a essayé de piéger une vedette. Je vous le dis à la fin de l'émission, la Starlette. On aimerait le savoir ici. Elle fait partie de ce plateau. Peut-être. Il faut quand même expliquer aux téléspectateurs l'anecdote. Alors allez-y, racontez au moins l'anecdote. Donc c'est une starlette qui a une relation avec un bleu, un très très grand bleu, et ils sont au Crillon le matin. Crillon à Paris. Donc ils passent la nuit ensemble, ils sortent au Crillon et la jeune fille a convoqué des paparazzis qui se mettent à l'entrée du jardin des Tuileries et qui font les images. Pour relancer son image à elle. Voilà, parce qu'elle était un peu en perdition et donc ça pouvait l'aider. Et elle le met bien pour l'embrasser, elle le tourne bien, tout machin, papap. Les photos circulent dans toutes les rédactions de Paris. Personne n'en veut parce que personne ne touche au. Ah, vous l'avez dit là. Voilà. Et tout à l'heure. Et donc ce footballeur, il est un peu inquiet. Il est au courant que ces images circulent dans Paris. L'entourage du footballeur le sait aussi. Ils achètent les photos pour qu'elles ne paraissent pas. Et ils ont secoué un petit peu la starlette. Est-ce qu'elle a participé à une émission de télé-réalité, cette starlette? Je sais pas, moi je suis pas du tout télé-réalité, je sais pas du tout. Est-ce que ses initiales sont VL? Voilà. Virginie Lemoyne? Non. Non. Par Virginie. Mais elle était mariée avec un footballeur. Par la suite, elle s'est mariée avec un footballeur. Je ne suis pas du tout people. Moi, je suis très football, mais pas du tout people. C'est un footballeur, vous devriez savoir. C'est dégueulasse si elle s'est fait casser la gueule, mais c'est dégueulasse comme procédé. Ah ben, c'est un procédé dégueulasse, essayer de piéger un homme. Mais d'un autre côté, je veux dire, il faut être un petit peu con quand tu vas avec une gonzesse au Crillon et tu l'embrasses devant le Crillon. Si tu veux être discret, tu vas dans un formulaire en banlieue parisienne, dans une zone industrielle. Ah, tu t'y connais, toi, hein. Je suis pas sûr qu'elle vienne, la fille, au formulaire de Garges. C'est pas de la Formule 1, c'est du football, il a rien compris. Les Bleus peuvent-ils gagner la Coupe du Monde? C'est chez Hugo Doc, Bruno Godard. Merci. Un conseil pour cette semaine, évitez de tomber malade. Jeudi prochain, les médecins hospitaliers appellent à une grande journée de grève pour protester contre un projet gouvernemental de réforme de leur statut. Le lendemain, le vendredi, ce sera au tour des infirmières d'arrêter le travail. Cette fois pour dénoncer la pénurie de personnel, alors même que dans le monde entier sera célébrée la journée internationale de l'infirmière. Pour parler de tous ces sujets, on va accueillir Mme Michèle Bressan, qui elle, est directrice des soins à la Direction générale des hôpitaux de Paris. Elle coordonne 20 000 infirmières
infirmière et infirmier de l'assistance publique. Elle vient de sortir « Infirmière, la passion de l'hôpital » chez Robert Laffont. Voici Madame Michèle Bressan. Bonjour, enchantée. Ah, je vais vous dire, on reconnaît la poignée de main d'une infirmière. Énergique, dynamique. Mais vous aussi. Ah, vous êtes infirmière? Je ne sais pas, mais vous, non. Il paraît qu'on vous dit tout le temps ça, quand vous dites « je suis infirmière », les gens vous répondent « ah, vous êtes infirmière ». Mais ça dépend, on me le dit sous différents tons. On me dit « ah, vous êtes infirmière ?» ou « ah, vous êtes infirmière ». Ah oui. Ou « ah, vous êtes infirmière ». Alors c'est le ton, tout est dans le ton, voilà, mais c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, vous n'êtes plus vraiment infirmière, vous occupez des autres infirmières. Mais pourquoi? Non, je suis infirmière. La seule différence, c'est que je suis vieille. Et que j'ai 58 ans et que j'ai... Vous ne le faites pas. Hein. Merci, vous êtes vraiment... Je dis, en tout cas, il y a une grève. Je lisais, par exemple, une interview de Patrick Pelloux, qui est devenu célèbre depuis la canicule, le président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers. Il dresse une situation des urgences dans les hôpitaux de France... Les siennes. Qui est terrible. Pardon? Les siennes. Comment ça, les siennes? Mais parce que chacun parle de ce qu'il connaît, donc c'est surtout les siennes. Et c'est vrai qu'il y a des situations dramatiques, et il ne parle que des situations dramatiques. Oui. Voilà. Vous dites que c'est pas comme ça partout, en fait, vous. Ben voilà, moi je dis que c'est pas comme ça partout, et surtout pas comme ça à tous les moments. Mais vous n'êtes pas surtout une optimiste? Votre bouquin est très optimiste, dans le fond. Ben écoutez, ça fait 37 ans et demi que je suis à l'hôpital. Si franchement, j'avais vous dû... Vous n'êtes toujours pas guéri. Bravo. Voilà. Non, vaut mieux être infirmière que malade, donc c'est pas... Donc, 37 ans, si franchement ça avait été aussi horrible, franchement, je... Pas une idiote, je serais pas restée. Quand même, quand il dit Pelloux, la dégradation des conditions de travail s'amplifie, il doit avoir raison, non? Alors, c'est vrai que ça pourrait être nettement mieux, hein. Tout à fait. Mais c'est vrai aussi que... C'est mieux qu'avant. Voilà, il n'y a pas de comparaison. Vous permettez les vestiaires où on avait des rats, il fallait taper dans les mains pour aller chercher nos blouses, dans des sous-sols infâmes. Alors pourquoi ils font grève alors les infirmières si elles sont sûres? Alors, parce qu'il n'en a pas assez. J'ai pas dit qu'on était... J'ai pas dit que... C'était parce qu'elles... D'ailleurs, elles non plus, elles disent pas qu'elles font la grève, elles sont malheureuses, elles disent qu'elles font la grève. Un, parce que c'est la journée internationale des infirmières, et pour la première fois en France, on en parle un peu. Deux, c'est la fête. Elles disent pas qu'elles font grève, je sais pas si vous avez bien lu communiquer, elles disent, on en fait un événement, on annonce qu'il y a des conditions de travail, que la pénurie existe toujours, bien que le mot pénurie, moi, je l'ai toujours connu. Et elles disent, on va lâcher des ballons, faire parler de nous. Et bien, elles ont bien raison, parce que la journée internationale des infirmières, ça a toujours existé. Et nous, on n'en parlait jamais en France. Mais vous dites que la situation n'est pas catastrophique. Elles sont mal payées aussi, par exemple. On est mal payées en fin de carrière, surtout, parce que je suis occupée de moi. Mais le... Vous avez pu les produire avant de venir En tout cas, en tout cas, c'est où se trouve l'armoire à pharmacie, hein, c'est sûr. Pierre Benichou. Moi, je veux dire d'abord, admiration, respect, affection. Pour vous. Pour les infirmières. Pour les infirmières. Je trouve que c'est formidable. Alors... Pourquoi ça va si mal? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce que les infirmières ne sont pas assez payées. Vous n'en parlez pas de tout ça. Peut-être parce que vous ne le pensez pas. Eh bien, vous ne pouvez quand même pas dire que je pense à rien. Non, mais peut-être parce que vous ne pensez pas que vous êtes mal payées, peut-être parce que vous ne pensez pas que vous n'êtes pas assez nombreuses. Moi, je pense que nous ne sommes pas assez payées. Alors, au début de carrière, peut-être. Parce que... Mais surtout... Ça gagne quoi, une infirmière, au début de carrière? 1500 euros, tout compris, net. Et en ayant fait du dimanche, hein, d'accord? Et donc, pour garder cela, il faut donner, être mieux payé, et donner des responsabilités à ceux et celles qui veulent en prendre. Pas à tous, il y en a qui ne souhaitent pas les prendre. Et ça, ça ne se fait pas du tout, ce n'est pas du tout reconnu dans la profession. C'est jeune, et pour peu de temps. Voilà, tout est fait. Qu'est-ce qu'elles font après, alors, la plupart des infirmières qui s'en vont? Mais beaucoup, maintenant, sont comme moi, elles restent. Ouais. Et du coup, ça ne va plus du tout. Christine. Moi, j'ai vu un reportage, il y a... pas très longtemps, je crois, sur le service public, où on suivait des infirmières à l'école. Ah oui, j'ai vu aussi. Et les médecins se précipitent, elles n'ont même pas encore fini la première année, pour les réserver tellement il en manque. Parce que c'est les médecins qui réservent les infirmières. Mais oui, et les cliniques privées qui vont... Et les infirmières, elles sont là, bon, alors qu'est-ce que je vais choisir? Peut-être là, peut-être pas là. On va les chercher à l'étranger. Mais attendez, elles ont raison. Actuellement, il y a un marché, il y a plus de places que de personnes. Donc elles ont tout à fait raison de chercher la meilleure solution. Mais alors donc il n'en manque pas. Mais si, il en manque. Oui, d'accord. Oui. Alors tout n'est pas parfait, mais si on reste, c'est que quand même quelque part, il y a quelque chose. Ah, hein. Et ce quelque chose... C'est pas banal comme métier. Eh bien c'est ce que j'ai choisi de dire.
votre passion. Elsa Fayer, vous l'avez lu, le livre. Oui, enfin, moi, j'ai une peur bleue du milieu hospitalier. C'est pour ça que quand on tombe sur une infirmière souriante, ça fait du bien, parce que se dire qu'on va être à la merci de quelqu'un... Attends, par exemple, vous parlez d'une anecdote. Quand le médecin prescrit, par exemple, une dose untel pour un patient, et que vous, vous vous rendez compte que, finalement, la prescription ne correspond pas vraiment à l'état du patient que vous voyez tous les jours, c'est vous qui appelez le médecin, éventuellement, pour lui dire « est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur ?» C'est notre travail. Il faut savoir que l'hôpital... que ce soit clinique, privée ou publique. L'hôpital n'a de raison d'être qu'à partir du moment où les malades ont besoin d'avoir quelqu'un pour les aider et les surveiller 24 heures sur 24. Donc nous sommes le contrôle ultime. Voilà. Vous avez quand même... Et si on le loupe... C'est à vous ? À qui la faute ? Le dernier maillon, c'est vous. Ben, c'est ce qu'on appelle être au chevet des malades. Isabelle Alonso. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous conseilleriez à des jeunes filles de devenir infirmières ou pas ? Enfin, à des jeunes garçons que... aussi, figurez-vous. Il y a peu d'infirmières. Oui, mais c'est la journée de l'infirmière. Les infirmiers se brossent, là, ou... Vous seriez mignonne en infirmière, Jean-Luc. Mais je vais vous dire... Vous avez des drôles de fantasmes, quand même. Moi, j'aime bien les infirmiers. Ils seraient en infirmier, ils seraient pas mal, leur succès fou. Alors, vous savez, non, il y a des infirmiers... C'est vrai. Oui, mais vous auriez un succès fou. Oui, vous auriez un succès fou. Tu parles. Je conseillerais à ceux et à celles... qui ne font pas par défaut. Mais je voudrais savoir, c'est quoi au juste une grève dans un service d'urgence ? Puisque tout le, on doit continuer à s'occuper des malades quand même. C'est un concept vachement bizarre. La grève, c'est... On doit être là pour le service minimum. Et souvent, on est en effectif minimum. Donc c'est à peu près pareil, vous voyez. Donc, c'est ce qui me semblait. Ouais. Donc, on est là... Et puis, c'est normal qu'on soit là. Alors, juste un dernier mot, j'en reviens à ma grève de jeudi prochain. Quand le docteur Peloux, pardon de le citer, mais c'est lui qui est souvent interviewé dans les journaux, quand il dit, par exemple, il donne un exemple, il dit « J'étais de garde la nuit dernière, il n'y avait pas un lit sur Paris. » Est-ce que c'est vrai, ça ? Ah ben, écoutez, je n'ai pas vérifié. Pas un lit dans aucun... Est-ce qu'on manque de lits à ce point ? On manque de lits à certains moments. Il y a des organisations qui sont faites. Vous savez, tout est surveillé maintenant... Ils ont un truc, on surveille tous les nombres de lits qui se libèrent et tout pour savoir. Ce qu'il y a, c'est que pour eux, c'est vraiment un parcours du combattant pour appeler en disant « Est-ce que tu as bien un lit pour tel malade ? Tu as bien un lit pour tel malade ?» Donc c'est un parcours du combattant et c'est vrai que ça épuise quand vous êtes en pleine nuit et que vous cherchez des lits. C'est épuisant. Alors à mon avis, on les a trouvés les lits. Et puis Patrick Peloux, lui, il pousse les urgentistes. Donc, et les urgentistes par rapport aux autres médecins qui sont dans leurs services traditionnels. Donc tout ça, c'est des histoires que... Mais c'est vrai que peut-être qu'il n'y avait pas de lit ce jour-là. Bah, c'est une lutte, là. On soigne les gens sur les pancards dans les couloirs. J'ai l'impression de voir Annie Girardot dans la zizanie. mais vous êtes d'un optimisme formidable. Madame, on soigne quand même des malades dans les couloirs sur des brancards parce qu'il n'y a pas de lit. Alors vous vous dites, c'est pas grave et tout. Madame Alonso, détrompez-vous. Alors là, je suis désolée, je ne peux pas vous laisser dire ça. Oui. Aux urgences, il est vrai que ce sont des brancards, puisque ce sont des... Mais les malades dans les couloirs, ils sont des brancards, ça, c'est pas vrai, et c'est fini dans nos hôpitaux. Je l'ai connu, c'est vrai, j'ai connu des salles, des unités où il y avait 37 lits, et où on en avait 42 quand on arrivait, et les brancards, on était obligés de se mettre à genoux pour piquer les malades. Ça, j'ai connu, j'ai même attrapé les brancards et collé par les fenêtres, donc je sais ce que j'ai fait. Et donc j'ai connu ça. Aujourd'hui, les brancards montés en plus dans les hôpitaux, c'est pas vrai. Donc Peloux est un menteur. Ça va mieux qu'en 74, en gros. Et ça ira mieux en 2020. Et mieux qu'en 89. Est-ce que c'est pas mieux même qu'en 1612 ? Moi, je me souviens. Alors, en 1612... C'est quand même formidable parce que moi, je fais une émission où normalement, on est là pour faire rire. J'ai parfois l'impression d'être entouré de malades. J'invite une infirmière, c'est elle, la comique. Alors là... Il y a quand même un problème. Je suis pas une comique. Non, enfin, c'est pas mon métier. Vous prenez un peu tout à la rigolade, j'ai l'impression. Non, je ne prends pas. Écoutez, moi, on m'a dit que c'était une émission de divertissement. D'accord. Mais pensez, vous savez qu'il y a des gens qui nous regardent. La télévision, c'est parfois le seul, justement, divertissement, en dehors de votre passage, parce que vous avez des horaires fixes pour votre spectacle, je le sais. Mais en dehors de ça, la télévision est le seul divertissement des gens qui, le soir, sont dans leur chambre de plutôt et qui, certainement, nous regardent ce soir. Ils doivent se dire, mais c'est qui celle-là ? Non, ils vont la trouver géniale. Ils doivent se dire, elle est comme la mienne. Ah oui ? Elle est géniale. Il ne faut pas confondre l'Olympia et Boussico, quand même. Non, parce que je vais vous dire quelque chose. Quoique, on accroche un, nous, déjà. Vous avez péricoché. Je vais vous dire quelque chose. C'est que
Vous n'êtes plus infirmière, vous êtes patronne des infirmières, vous avez un poste important. Vous êtes... Oui, mais c'est quand même infirmière, monsieur. Vous êtes... Oui. Vous êtes pas... toujours journaliste. Vous êtes une... vous êtes... Vous avez une place importante au ministère de la Santé. Madame, vous êtes engagée. Combien? Mais maintenant, je suis vieille. Non, non. Combien vous me payez? Je vous poserai, je vous poserai, piquer notre boulot. Je vous poserai ma question. Quand vous dites que j'ai eu honte de la France pendant la canicule, oui, quand vrai, j'ai vu tous ces gens qui mouraient, quand j'ai vu tout ça, mais vous étiez, vous, au ministère. Pas du tout, monsieur. Vous n'avez pas bien lu mon livre. Vous n'avez pas bien lu mon livre. Elle était sur le terrain. J'étais la reine des abeilles. J'étais la, comme ma directrice générale disait, vous êtes la reine des abeilles. C'est-à-dire qu'on butinait d'hôpital en hôpital pour rapporter les, pour apporter les idées des unes et des autres. Et on passait dans toutes les équipes, toutes les nuits et tous les matins. Et on n'était pas en permanence au téléphone pour débloquer toutes les situations. Vous étiez en vacances dans l'Uber. Mais moi, j'étais. Un petit polo, là. Mais monsieur, non, pas du tout. Vous savez, j'ai commencé. Le vendredi, ça a commencé. Le lundi matin. À 8 heures, on était tous réunis et on a décidé de partir. Et je n'ai quitté, à part pour aller prendre une douche. Et je ne suis vraiment sortie que le vendredi soir. Et c'est le vendredi soir, en fait, que je me suis rendu compte. Parce qu'ils sont venus me chercher pour m'emmener au restaurant, pour me changer les idées, parce que je n'avais pas trop le moral. Et je me suis rendu compte du décalage, de ce décalage énorme dans cette espèce de resto branché. Ce décalage énorme, je me suis dit, mais attendez, ils n'ont rien compris là. Mais c'est pas possible ça, mais c'est pas possible, ils ne se rendent pas compte. Et là, ça m'a fichu franchement en l'air. C'est là que j'ai appelé ma soeur au Mexique en lui disant, qu'est-ce qu'ils font? Elle est là. Vous allez pas aussi venir m'emmerder au Mexique. Allez, on la garde pour Jérôme Bonaldi. Cadeau de bienvenue pour vous, alors. Plein de cadeaux. Toi, tu sais parler aux femmes. Est-ce que vous faites dire passage? Le moins souvent possible, j'en fais. Quand est-ce que vous faites dire passage? Le soir. Le soir. Et puis je m'occupe devant la télé. Devant la télé. 60% des ménagères françaises, allemandes, italiennes, espagnoles, anglaises font le repassage devant la télé le soir. Le moins souvent possible. Alors, le soir, voilà, je vais vous faire la situation, comment ça se passe. Comment ça se passe? On regarde en général la télé dans une pénombre propice. Est-ce que je peux avoir une pénombre propice pour la télé? D'accord? Vous êtes là, il fait sombre, vous voyez bien la télé. Et vous faites du repassage. Sauf que, dans la pénombre propice, on ne voit pas très bien ce qu'on va repasser. Là, le faux pli guette, la faute professionnelle est là, au coin de la rue. C'est la lampe torche du... Heureusement est arrivé le premier. Hop. Eh ben, mine de rien, allumé, éteint. Ah non, mais c'est nul, votre truc, parce que moi, j'étais persuadé qu'on allait voir la télé sur le faire repasser. Mais non, mais oui. Un dernier gadget, Jérôme. Ah non, alors j'ai pas de gadget, j'ai que des trucs super vachement bien. Non. Pardon, c'est... j'ai employé le mot qu'il ne fallait pas. Vous avez des enfants, des petits enfants. C'est qu'on surnomme Mister Gadget. Il y en a qui font. Il y en a qui font de la batterie. Boum, 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 boum. Ça vous casse les oreilles. Regardez ça. C'est nouveau, ça vient de sortir, ça vient d'arriver. Des baguettes électriques pour manger le riz. C'est presque ça. Ce sont des baguettes de batterie sans la batterie. Ça se branche sur les écouteurs pour pas gêner les parents. C'est pour Manu Katché, le mec d'M6 là. Mais ça fait également. Imaginez que ça, c'est une grosse caisse, ça fait. D'accord, là ça fait. Et en appuyant sur le petit bouton qui est là, je change. C'est trop bien ça. Tac, 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 j'appuie. Et là je fais. Ça c'est bien pour les ados. Et on peut ici, avec un petit bouton là, on peut pré-enregistrer une séquence. D'accord, ça fait pas gâteau. Allez-y. Batterie. Oh là, petite batterie. Bien, vous appuyez sur le bouton. Vas-y. Il est content. Attendez, pardon. Juste de débrancher. Ah, excusez-moi, c'est de ma faute, j'ai débranché. Ça marche pas toujours. Vous avez été dans une fanfare. Ça marche. Oh là! Ils ont l'air toujours concentrés, les batteurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais bien le batteur. Vous avez joué dans quel groupe exactement? Parce que Là, ça, c'est top, hein. Attention aux yeux! Vous allez me prendre un œil. Mais t'es obligé de te mordre. Mais essayez, regardez là-haut, qui essaye d'être ridicule. Non, faut pas avoir l'air con. Non, parce qu'on vous a vu d'abord. On vous laisse repartir ensemble. Jérôme Bonaldi et Michel Bressan. Infirmière, la passion de l'hôpital. Chez Robert Laffont. Allez, accompagnez madame. Il est temps d'accueillir sur ce plateau mon infirmière à moi. Elle s'appelle Elena Lenina.
La jeune et belle russe que vous aviez peut-être découvert à l'époque, il y a quelques années déjà, dans l'émission Nice People, que vous n'avez certainement jamais oublié depuis, elle fut ma fiancée de manière trop rapide, certes, mais je n'oublierai jamais cette liaison. Et j'en ai encore les larmes aux yeux, un souvenir ému. Elle a déjà publié plusieurs livres dans ma bibliothèque. Je dois dire, j'ai tout, Elena Lenina. Regardez, le premier, le deuxième et le nouveau livre d'Elena Lenina, qu'il ne faut pas louper. Russe comme Crésus, c'est milliardaire venu du froid. Il faut dire qu'elle s'y connaît, elle est russe et des milliardaires, elle en a sûrement connu. Pas moi. Moi, je veux dire, il ne s'est rien passé. Milliardaire, oui, mais... Mais non, je déconne. Voici Elena Lenina. Ah oui, hein, je la collecte, hein. Ça, c'est fait. C'est un baiser à la russe, c'est tout. Tu parles. Eh oui. Elle a dit qu'elle était encore attirée par vous l'autre jour. C'est vrai. Malheureusement, j'ai tellement parlé de Sacha Ardisson qu'il y avait beaucoup de mes prétendants qui n'ont pas beaucoup apprécié cette partie dans notre émission. C'est pour ça, comme une personne honnête, quoi, je suis venue pour vous demander en mariage. C'est encore. Oh. J'espère que c'est un vrai diamant, non? Il n'y a pas un diamant dessus? C'est en même temps... Dis donc, c'est un truc à vache, ça, non? Non, c'est pas un prince Albert, ça? C'est une femme. Il y a la corde à cou en même temps qui va avec. La corde au cou? Au cou, ça, ouais. Regardez ça, alors. Je pense qu'elle a bien saisi votre style, en tout cas. Hein, parce que entre ça et la bague... Oui, c'est tout à fait moi. Oui, exactement. Vous avez croisé ces milliardaires et vous avez écrit le livre après. Vous avez d'abord cherché à les rencontrer en sachant que vous alliez écrire ce livre. Bien sûr, je fais exprès, oui. Vous avez enquêté, alors? Oui, c'est un vrai document. En même temps, j'ai passé plusieurs années à la télé russe en interviewant ces réussite professionnelle, les meilleures dans chaque domaine. Et bien évidemment, j'avais déjà un carnet d'adresses avec beaucoup de ces noms. Il y a quelques années, le magazine Forbes en Russie, visiblement, a sorti un article sur les nouveaux milliardaires et le rédacteur en chef a été tué. Ah. Et là, vous commencez votre livre en disant « Ce sont des hommes exceptionnels qui n'ont peur de rien. L'intelligence toujours en éveil. » C'est quand même très laudateur comme discours sur ces milliardaires. Est-ce que vous avez eu peur pour votre santé ou est-ce que vous voulez épouser un milliardaire? Je ne veux pas épouser les milliardaires parce que j'ai tellement bien étudié la matière que je vais vous dire que ce ne sont pas les meilleurs maris. En même temps, c'est vrai que c'est une question très sérieuse que inattendue de votre bouche. Ah, c'est flatteur, Jean-Luc. Il peut sortir plein de choses inattendues de ma bouche. Je confirme. Non. Non, franchement, c'est pas très facile parce qu'effectivement, après avoir publié les 100 les plus riches russes, le rédacteur en chef de ce magazine a été tué, on ne sait jamais pourquoi. Mais c'est évident que c'était lié à cette histoire et on sait pas qui, mais c'était sûr que c'est un killer commandé, prépayé pour ça. Est-ce que vous avez... Si, j'ai peur, même aujourd'hui j'ai peur. Oui. Vous les rendez tellement détestables, ces mecs. Ils sont antipathiques, ils se conduisent mal avec leurs femmes, avec leurs maîtresses. Ils sont racoleurs, ils exhibent leurs montres, leurs bagnoles. Comment vous pouvez avoir du respect pour un mec que vous ne connaissez pas? C'est votre anniversaire, il vous offre un diamant et se tire. Moi, je lui balance le diamant à la tronche. Et moi, je le ramasse. Pas moi. Alors, Elena, je trouve que c'est mais d'une mouflerie. Cette histoire, je vois pas du tout de cette manière. Moi, je pense que je les adore, je les admire, comme j'admire les sportifs qui ont gagné les Jeux Olympiques parmi tous les sportifs, comme j'admire les compositeurs qui ont traversé les siècles parmi tous les compositeurs. Ce sont tous les nouveaux riches arrivistes. On est tous les businessmen. Et je les aime, je les admire. Et dans aucun cas, je pense pas que j'ai écrit les portraits dégueulasses. Non, je suis pas d'accord du tout avec votre question. Stevie, elle les dégomme pas en tout cas. S'il y a une chose à dire, elle dit que ce sont des mecs qui, pour avoir leur fortune, n'allaient pas arriver comme ça. Il faut être ami du régime. Ce serait jamais milliardaire. Il faut dire ça. Non, vous n'êtes pas ami du régime, vous. Non. Mais... Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà, est-ce que ce livre va sortir en Russie?
Non, en se formant, il ne peut pas sortir en Russie. Un de ces milliardaires n'a pas du tout voulu qu'on parle de lui. Déjà, ils sont tous, n'aiment pas trop la pub aujourd'hui, surtout après cette arrestation. Il a eu 12 ans de prison, le mec qui est le plus riche prisonnier du monde. Il a 15 milliards officiellement. C'est vraiment un peu dangereux, voilà. Isabelle Alonso. Isabelle, mon fils regarde l'émission, s'il vous plaît, ne me critiquez pas trop, s'il vous plaît. D'accord. Je vais juste faire un petit récapitulatif. 1989, le mur de Berlin, c'est fini. L'Empire soviétique s'écroule en quelques mois, de manière assez inattendue. Et on privatise la totalité des ressources naturelles, de l'industrie, des richesses de l'ex-URSS accumulées avec 70 ans de dictature et qui a coûté au peuple russe du sang, de la sueur et des larmes. Et évidemment, les hiérarques du Parti communiste russe sont les premiers à se servir. On a une bande de pillards, de soudards, de mafieux et d'assassins. Toute la richesse qui était légitimement la propriété du peuple russe. C'est votre version de vous, c'est vous. Et vous arrivez là derrière et vous criez votre admiration pour ces types dont vous êtes vous-même en train de dire qu'ils utilisent l'assassinat comme arme politique. Et vous baillez d'admiration devant des gens qui balancent des diamants et des Ferrari. Et vous savez pourquoi ils le font? Parce que cet argent-là, ils l'ont volé, ils ne l'ont pas gagné et que l'argent volé brûle les mains de ceux qui les ont. S'ils avaient gagné leur argent, eh bien, ils ne l'utiliseraient pas comme ça. Je n'oublie pas, en parallèle avec les milliardaires qui tellement excitent votre admiration, que dans les égouts de Moscou aujourd'hui, il y a des orphelins qui vivent là parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper. On fera pas mieux, hein. Excusez-moi parce que j'avais bien aimé votre premier livre. Je suis obligé de rendre tout ça, moi, après ça. J'ai plein de choses à dire. Je ne peux pas garder ça. Déjà, la première chose, dans aucun cas, on ne peut pas dire que tous les milliardaires russes sont les assassins, les bandits et les mafiosi. Ça, je lutte contre ce type de stéréotype cliché, ma chère Isabelle. Non, ils ne sont pas les mafiosi. Et il y a beaucoup de businessmen... C'est pas un stéréotype de dire qu'ils travaillent 18 heures par jour. 18 heures par jour. Vous avez à côté de vous quelqu'un qui travaille énormément. Laurent ne travaille pas 18 heures par jour. Il n'est pas milliardaire. En plus, en faisant du sport et tout ça, 18 heures par jour, ça n'existe pas. 18 heures par jour. Mais non, c'est peut-être l'arrêt. Oui, il m'arrive de travailler 18 heures par jour. Il arrive de travailler une journée ou deux 18 heures. Elle dit qu'il travaille 18 heures par jour. Quasiment 4 ou 5 jours par semaine, je travaille 18 heures par jour. Bien sûr, oui. Bravo, Pierre. Mais oui, pardon. Bon, écoute. Pierre Bénichou. C'est vrai qu'il y a beaucoup de misère en Russie. Plus encore qu'à une certaine époque. Est-ce que vous croyez que les gens, malgré les 18 milliardaires qui vivent en Russie, est-ce que les gens ne seraient pas plus malheureux maintenant qu'ils ne l'étaient sous cette infâme dictature stalinienne? Les retraités ne touchent pas leur retraite, il n'y a plus de sécurité de l'emploi, il n'y a plus tout ce qui faisait dans cet enfer qu'était l'Union soviétique, tout ce qui faisait quand même ce qui permettait de vivre. L'enfer est resté, il n'y a plus ce qui permet de vivre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, il n'y a pas 18 milliardaires, il y a 31 milliardaires, deux de plus qu'à New York. C'est déjà impressionnant. Deuxièmement, ce sont des gens qui sont extrêmement généreux, qui dépensent énormément pour les programmes sociaux. Je connais un de ces milliardaires qui fait partie de ce livre, qui paye tous les ans plusieurs centaines de millions de dollars. Et personne ne lui demande, il ne le doit pas faire. Mais il le fait, il construit les hôpitaux, les écoles, les jardins d'enfants. Il fait beaucoup en de choses. En Arabie Saoudite aussi, vous savez. En même temps. Il y a des émirs qui donnent pour construire des hôpitaux, des écoles. Ça ne veut pas dire c'est un pays où on vit heureux. Ouais, non, mais franchement, Elena, on a vu quand il y a eu la crise, justement, économique à Moscou. On a vu des soldats se prostituer pour pouvoir acheter, de la nourriture. Les gamins qui travaillent là-bas en Russie, ils mettent un mois de leur salaire pour s'acheter un hamburger ou je sais pas quoi. Il y a quand même, vous pouvez pas dire que ça va bien quand même. Si vous gagnez très bien votre vie, est-ce que vous donnez un peu de l'argent aux prostituées de Saint-Denis? Mais pourquoi prostituer? Je ne sais pas, il y a des gens qui se prostituent. Oui, de temps en temps, mais pas. C'est pas reproche. Mais il y a quand même... Pas de l'argent en tant que client, mais pas... Elsa Fayer. Moi, je vous trouve vraiment très courageuse. Vous bravez le danger pour nous offrir un livre qui nous parle des milliardaires alors que d'autres y ont laissé leurs plumes. C'est ce que vous nous dites en tout début de livre. Pour nous offrir des pages comme des descriptions à n'en plus finir
de ce qu'ont ces milliardaires. Alors, je vous en fais un tout petit extrait. Vous nous parlez donc d'un milliardaire. Vous nous dites, nous le retrouvons dans son appartement de 500 mètres carrés, en plein centre de Moscou, entre parenthèses, 5 millions de dollars. Non loin de là, il a offert un coquet 100 mètres carrés à sa maîtresse et l'a fait joliment meubler, entre parenthèses, 500 000 dollars. Il a une très belle datcha dans les environs de la capitale, entre parenthèses, 10 millions de dollars. Mais vous avez une fascination pour l'argent, on dirait un agent du fisc. Pour montrer mieux leur portrait, je suis obligée de montrer qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent. Juste une question, on les trouve où en France, les milliardaires russes, quand ils viennent? Les Russes adorent la Côte d'Azur, Monaco, Courchevel, effectivement, Paris beaucoup. Paris, justement, ils fuient la France, notamment Saint-Tropez, à cause des voleurs, et ils fuient Paris à cause du fisc. Vous dites l'Angleterre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus à Londres. Mais vous m'avez demandé en France. Oui, j'ai cité. Laurent, tu coupes, arrête. Non, rigole. 10 minutes pour l'instant. Garde-moi comme ça. Non, c'est pas le moment. Arrête. C'est bon ça. Laurent, j'ai cru que vous n'arriviez. J'ai vu. Je commençais à m'impatienter. Moi, tu sais, quand je. Bon, je fais ce que je veux. Alors, Serge, tu coupes là. Elle fait ce qu'elle veut, c'est la productrice de l'émission. Oui, mais elle s'en fout, l'autre, il raconte tout. Ça va pas, Laurent, ça. Il faut pas parler des milliardaires russes comme ça. Mais on avait fini. Mais oui, non, mais on va se faire buter, mon vieux. Ah, mais je les connais. Attends, ça va. Je connais les méthodes. Tu dis un mot de travers, il te nique ta race, Poutine. Attends, je suis pas la dernière. Alors, tu donnes les initiales, Laurent. Ah, oui. Tu mets comme tout à l'heure avec les footballeurs. Tu dis VL, PQ. Par exemple. Mais ne dis pas les noms. Aras Agalarov. Le dis. On va Moi, je ne peux pas me permettre de mourir, Laurent. Hein. Mikhail Kuznirovitch. On va se faire pourrir. Je ne peux pas mourir avant jeudi, j'enregistre Ardisson. Alors, non, vous faites ce que vous voulez. Vladimir mais moi... Ilyich Nekrasov. Oh, le bougre. M'en fous, c'est coupé. Sergueï, il s'est coupé. Bon. Très bien. Sergueï. Non, mais attends, mais si ça se trouve, on est sur écoute. Là, les micros, ça se trouve. Le BHV, ils nous ont mis. Le KGB. Si ça se... Eh oui, mais tu crois quoi, mon vieux? Moi, je les connais, je le sais très bien. Moi, j'en vois un chaque année, une milliardaire, là, quand je suis à Courchevel, l'autre, là. Qui fait du ski, là. Oh, Sergueï qui fait du ski. Bon, eh ben... Je pensais que ça marcherait. Bon, eh ben... J'ai eu malheur. Il y a Victor Skoulef dans les... Oh, qui m'énerve. Je te regarde même pas. Je regarde le monsieur. Alors, écoute-moi, je l'ai heurté en motoneige une fois, le type. Sergueï qui fait du ski. Bon. Je l'ai heurté en motoneige. Parce que, évidemment, il avait un grand manteau de fourrure blanc, j'ai cru que c'était un panda. Bah, évidemment, j'ai pris peur, j'ai foncé dessus. Pas un merci, pas un pardon. À la place de ça, ils m'ont envoyé ces gorilles, des gros machins, ils m'ont forcé à faire un constat. M'en fous, j'ai mis l'adresse de Fogiel. Non, parlez de choses légères, je vous en supplie. Là, elle a parlé lingerie, elle a une ligne de lingerie, c'est moins dangereux. Montrez des seins, tout ça, parce que là, non, moi, je ne peux pas crever là maintenant. Et pourquoi Foresti n'est pas là? Pourquoi elle n'a pas fait un sketch? Elle mettait une chatte cale dans celle Bolshoï, tout le monde rigole. Oh, quelle merde, elle... ah, le téléphone. Le téléphone. Oui, bah, allô. Oui, Thierry. Thierry Ardisson. Quoi? Pardon. Non, je suis sur Laurent, là. Quoi? Non, Laurent, il est sur les Nina. Eh ben oui, ça lui arrive des fois. Quoi? Non. Hein? Non, je ne serai pas là jeudi. Bah parce que j'ai le KGB au cul, voilà. Si ça se trouve, je vais mourir. Hein? Ah bah vous vous démerdez tout seul, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est à cause des Russes. Bah voilà. De toute façon, vous me faites chier. Toi et Laurent, je vais vous envoyer faire un JT au goulag. Ça va vous changer. Hein? Eh bah oui, non, bah ça sera une sacrée épopée, ça vous changera. Ça sera quoi? Les poupées russes sont très drôles. Oh, on est hilar, on n'en peut plus, on est pété de rire, quel con. Alors, écoute-moi, Laurent, oui. Fais ton jeu maintenant, comme ça c'est léger, c'est cool. Oui. T'as qu'à faire un kick-ass à choc, là, et puis ça monte l'audience. Allez, à tout à l'heure. La productrice. Florence Foresti. Je suis obligé de suivre les conseils de ma productrice, alors voici le kick a vu qui, kick a vu quoi. Vous êtes prête à regarder la première photo? C'est parti. De qui s'agit-il? Ça vaut 20 points. Alors, on sèche lamentablement. Hein. Sèche lamentablement. C'est un député. Napolitano, quelque chose comme ça. Ça y est, je le sais. Oui, c'est une bonne réponse d'Elena Lenina. Effectivement, c'est le futur président de la République italienne. Communiste, voilà. Futur président italien, Napolitano. Excellente réponse. Merci.
Qui a été le plus gentil avec vous? Il y avait combien de points en jeu? Il y avait 20 points en jeu. Ah, je sens que ça va être pour moi. Et ça va être pour vous. Oh, pour Isabelle Alonso. 20 points pour Isabelle Alonso, offert par Elena Lenina. Photo suivante. Attention, attention, je n'ai pas donné le nombre de points encore. On faire monter les enchères. Elle est sur le coup, hein, Elena Lenina. Tricheuse. Ça vaut 100 points. Ah, quand même. De qui s'agit-il? Ségolène Royal en train de faire son tour promotionnel. Ségolène Royal, excellente réponse d'Elena Lenina. À qui donnez-vous 100 points? Moi, je trouve que c'est un livre absolument formidable. Et les milliardaires russes sont des mecs, mais super. Ah non, mais elle bosse 18 heures par jour. C'est pas comme vous, Isabelle Alonso, hein. Est-ce que je peux partager entre... c'est 100 points. Enfin, on peut pas partager. Et les milliardaires français, vous donnez rien? Alors, on n'a pas été méchants contre vous, on a dit du mal des milliardaires. Alors, j'ai promis d'abord à Stevie, mais je vous promets, la prochaine fois, ça va être... 100 points, mais il est déjà en tête, Stevie. Ça fait rien, il Christine, alors Christine, donc. Christine, bravo, 100 points pour Christine. Non, il faut un peu de suspense dans ce jeu, quand même. Photo suivante. Ça vaut... 50 points, de quoi s'agit-il? Ah, je sais. Allez-y. La fin de la carte 50 orange. Points, c'est juste 50 points, la c'est la carte... La fin de la carte orange. Mais... Excellente réponse de Jean-Luc Lemoine. Ah. C'est quoi, ça? C'est le doigt. Coupon qui va remplacer la carte orange. On ne peut que s'agenouiller devant vous, Elena Lenina, parce que vous avez fait un parcours formidable dans ce qui a vu quoi. Franchement. Merci, mais vous pouvez continuer, oui. Non. Sachez, oui. C'est très bien, je pensais que c'était dans le cadre de notre mariage. C'était au sens figuré. Vous avez donc gagné le droit à une nouvelle promo pour votre livre, 17,90 euros. Rien pour un milliardaire russe, beaucoup peut-être pour vous, mais de quoi en apprendre sur les différents milliardaires qu'a croisés, rencontrés. Est-ce que vous les avez tous croisés ou rencontrés? En exception, seulement une personne. Russe comme Crésus, c'est chez Grasset. Merci Elena Lenina. À demain. Thank you.